punda za laki na kondi mate Bili susu miso na ee za laki komo na te Esu ki wana tenzo koi koma kiko pola Kondi mana yeswe se puisi lazalo Bisiko yonga na monite Ata bisiko yonga na komite Loko la mosantu yo za wana Oko longi sanga kake Melanga bitumbo yo na monate Mosalanga molanga es Okisanga elonga liboso ya baini nanga Nako banga nini ya we Melanga bitumbo yo na monate Mouna 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 ya dimarade moto Moto Mouna la keir Soko ya kale Avec des aclamas Mouna 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 kasi Directement, on va lire juste un verset que nous connaissons très bien. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Le verset 18e jusqu'au 20e verset. Matthieu 28, 18e au 20e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus s'est donc approché. Léa parla ainsi. À l'opéli ma bobole. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ok, les pénons à la Nicole Lyon sont tous mes disciples. Les baptisant au nom du Père. Au baptiste à la mon tata. Du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons, éternel Dieu, que tu puisses encore nous équiper. Que ta parole prenne de la place dans nos cœurs. Ainsi que nous prions en te promettant de te rendre toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit loué. Nous croyons réellement que nous sommes bénis dans cette école. Et Dieu ne peut pas envoyer des enseignements s'il n'y a pas de l'avenir. L'une des grandes raisons qui garantit que tu ne mourras pas, c'est quand Dieu te parle et quand Dieu reçoit ton offrande. Parce que Dieu nous parle toujours dans le présent pour affecter notre avenir. Quand il n'y a plus de révélation, c'est qu'il n'y a plus de vie. Et Manoac aussi voulait faire cette erreur. Lorsqu'il a pleuré en voyant l'ange de l'Éternel, il a dit nous allons mourir. Mais sa femme lui a dit nous ne mourrons pas. Car si Dieu veut nous tuer, il n'accepterait pas nos offrandes. Quand Dieu reçoit ton offrande et qu'il te tue après, il restera ton débiteur. Or Job a dit qu'il restera le débiteur des personnes. C'est que dès lors qu'il prend ton offrande, il doit te laisser vivre la moisson de ton offrande. Amen. Nous remercions encore Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire au travers de cette école et particulièrement de ce message sur les disciples là que le pasteur Christian vient de nous donner qui est plus qu'important dans le temps où nous sommes. Et cela fait suite logique de mon message qui est intitulé Une église qui ne missionne pas des missions.
Une église qui ne missionne pas. Église à raison bimisalatin d'amité. C'est une église qui a des missions. Et c'est une éthique à Moussala. Missionner est pris ici dans un sens. De remplir sa mission ou de remplir son rôle. Il y a des choses que l'on peut faire, mais qui ne sont pas nécessairement obligatoires par rapport à notre mission. Et on ne peut pas bien nous coter si nous faisons les bonnes choses, mais qui ne sont pas les choses demandées. Il ne faut jamais confondre les bonnes choses et les choses recommandées. Remarquez le roi Saül qui devient roi. Et parmi les butins, il veut épargner les vaches qui sont grasses. C'est comme s'il voulait investir dans l'élevage. S'il investit dans l'élevage, il lutte contre le chômage. Il lutte contre la faim. Mais comme cela n'était pas demandé par Dieu, Dieu l'a appelé désobéissant. N'oubliez pas, il y a un ordre donné à l'église. Il y a une mission prioritaire donnée à l'église. Que si nous ne remplissons pas cela, nous sommes en train de démissionner. Je commencerai à faire la différence entre ces trois mots. Le mot disciple, c'est ce qui est dans la mission de l'église. Mais il y a le mot croyant. Et il y a le mot fidèle. Jésus n'a pas donné à l'église la mission de faire les croyants. Parce que avant Jésus, il y avait les croyants. Abraham est appelé le croyant. Un croyant, c'est celui qui partage une théologie. Et n'oublie pas que le mot musulman veut aussi dire celui qui est soumis ou celui qui est croyant. L'église n'a pas la mission de faire les croyants. Et l'église n'a pas la mission de faire des fidèles. Car les fidèles, ce sont les membres partageant une communauté. La manne cachée est une communauté. La milice Shalom est une communauté. Nos différentes églises locales sont des communautés. Et ceux qui fréquentent ces assemblées sont les fidèles. Mais au-delà des croyants, au-delà des fidèles, la mission de l'église, c'est de faire des disciples. La mission de l'église, c'est de faire des disciples. Et qu'est-ce qu'un disciple? On a déjà entendu un message sur les disciples. Le pasteur Christian vient d'en parler. J'ajouterai seulement cette phrase. Un disciple, c'est celui qui suit une discipline auprès d'un maître. Tu peux être fidèle et non disciple. Parce que tu pries à la manne cachée, tu es fidèle. Mais si tu ne suis pas la discipline du leader, tu n'es pas disciple. Je ne dis pas que si tu ne suis pas sa façon d'être, mais sa discipline. Ainsi, nous avons beaucoup de croyants. Mais nous avons très peu de disciples. Et plus grave encore, moins encore des disciples de Christ. Parce que je ne peux pas refuser.
que nos églises ont deux fois beaucoup de disciples de pasteurs que des disciples de Jésus. Et dès lors, que nous ne faisons que produire les croyants ou produire les fidèles, nous ne sommes pas en train de comprendre la mission de l'Église. Il y a une phrase que j'ai dite il y a longtemps, mais quelqu'un me l'a rappelé, j'aimerais partager avec nous. En ce temps où nous sommes, particulièrement Kinshasa, nous sommes une ville sensibilisée à l'évangile et non évangélisée. Nous sommes une église sensibilisée. L'une de preuves. Dit maman accouche. Oui, maman donneront des noms bibliques à leurs enfants. Cela montre que l'évangile est devenu comme une culture. Et la question était, ça comme le mais dix contrôleurs fiscaux chrétiens, vous verrez que 8 nagent dans la corruption. Ils ne sont pas d'ici. C'est ça la différence. La ville est sensibilisée. On connaît Jésus, on connaît les pasteurs, on connaît les églises, mais la discipline de Christ n'y est pas. Or, seuls les disciples militent pour la continuité de l'œuvre. J'ai vu Jésus à la croix. Je lui dis pendant 3 ans, combien de disciples as-tu laissé? Il dit, je laisse 11 disciples. J'ai dit, Seigneur, mais l'œuvre va fermer. Il me dit, non, ce sont des disciples. Ce ne sont pas les fidèles. Ce ne sont pas les croyants. Quand tu vois un leader mourir, laisser une foule, après cela se disperse, c'est qu'il n'y avait pas de disciples. Seuls les disciples travaillent pour la continuité. Seuls les disciples sont les vrais héritiers de la grâce et de la vision. Et pour être un disciple, il faut un travail. Il faut un travail. Ce que Esaou était un croyant, était un fidèle, mais Jacob était disciple. Quelqu'un me dira, qu'est-ce que tu veux dire? Esaou était dans la maison. Il croyait au Dieu de son père. Il croyait que son père avait une bénédiction. Mais il était incapable d'obéir à son père pour ne pas prendre une fille du pays. C'est que Esaou travaillait pour la fille du pays. La femme est la gloire de l'homme. C'est que Esaou, en fréquentant l'église de pasteur Isaac, il travaillait pour sa propre gloire. Alors que Jacob, avec le même âge qu'Esaou, accepte de rester célibataire jusqu'au jour où il ira prendre la gloire que le Père a prévue. Cela, il fallait le ministère de sa mère. Un disciple, c'est une nourriture préparée. Elle doit se préparer, accepter d'être lavée. Elle doit accepter la chaleur de la marmite. Sinon, elle ne viendra pas dans la bouche. Un disciple, c'est un homme transformé. Alors que ça, c'était un homme naturel bénéficiant de la grâce de la maison. J'ai toujours demandé à Jésus,
Tu as ressuscité Lazare. Tu as ressuscité la fille de Jaïrus. Tu as fait beaucoup de miracles. Qu'as-tu fait pour l'un de tes disciples? À part la belle-mère de Pierre. Jésus me dit, celui pour qui tu veux aller très loin, il ne faut pas lui donner les petites choses de distraction. Les bénédictions, ce sont les distractions pour eux. Parce que les jours où ils comprendront, ils ne demanderont pas. Ils produiront eux-mêmes les bénédictions. Ils produiront eux-mêmes les miracles. Est-ce que Zachée a guéri quelqu'un? Est-ce que Lazare a prêché? Mais regarde Pierre. Je ne lui ai pas donné l'argent. Je ne l'ai pas béni. Mais il est capable de ressusciter Tabitha. Il est capable de relever les paralytiques. Il est capable de prêcher à la Pentecôte. Ce que je dis à quelqu'un, un disciple est le gardien de ta vie. C'est lui qui travaille pour la promotion des disciples. Garantit même sa propre longévité. Seuls les disciples militent pour la continuité. Et pour cela, Rebecca a travaillé Jacob. Cela montrait que c'était un disciple. Mais Matthieu 28 dont on parle, on peut même réciter cela. Et le Seigneur leur dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais faites attention. Il y a toujours des préalables avant ce qu'il faut faire. Et j'ai étudié quatre préalables avant la mission de l'église. Jésus ne peut pas donner une mission à une personne que lui-même n'a pas travaillé d'avance. C'est comme si tu as envoyé quelque chose de précieux à une personne qui est incapable d'arriver. Tu échoues toi-même. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a parlé à ce texte seulement à ses 11 disciples. Le premier préalable de la mission de l'église, c'est que la mission est confiée aux disciples. Pas au pasteur. Le pasteur, c'est un titre. Mais le disciple là est une vie. Vous savez, j'ouvre une parenthèse rapidement. Nous avons un sérieux problème aujourd'hui. Plusieurs de nos églises ne grandissent pas. Mais sont dopées, droguées. Voici comment se comporte celui qui veut doper son église. Il se met en avant pour attirer les gens. Les gens sont attirés par lui. Pour sa grâce, pour son nom, pour son message. Mais c'est la drogue. Parce qu'aucun homme ne sera permanent. Donc le jour il ne sera pas là. Voici maintenant une église qui grandit. Les pasteurs donnent les moyens aux disciples de se multiplier eux-mêmes. Le troupeau ne grandit pas par le berger, le troupeau grandit par la reproduction des brebis. Mais lui donne la nourriture. Quand les chrétiens vont gagner les âmes, je comprendrai que l'église est entrée dans sa mission. Mais quand les pasteurs travaillent pour qu'il y ait beaucoup de gens, c'est le spectacle américain. C'est pas comme ça que Dieu a prévu la église. Premier préalable,
La mission est donnée aux disciples. Mais moi, pasteur, étant aussi disciple, je fais partie de ces disciples qui travaillent. La mission de l'église se fait par les disciples. Le deuxième préalable, la Bible dit Jésus s'étant approché. Avant de leur dire allez, il s'est approché. Bien-aimé, s'approcher, c'est l'intimité avec Dieu afin qu'il te partage son fardeau. J'ouvre encore une parenthèse. La plus grande force d'un homme de Dieu est définie par les secrets que Dieu lui a donné. Or Dieu ne peut pas donner des secrets si tu es loin, parce que dans l'anse voix pas tu vas voyoka. Dieu attend que tu t'approches pour que lui te dise des secrets. Et ce sont ces secrets qui te garantiront partout où tu es. La plus grande partie des témoignages que nous entendons, vous allez remarquer, il y a une phrase qui revient. Dieu m'a dit. Mais ce Dieu-là, est-ce qu'à l'Obama on a convention? Non. À l'Obama on a retraite. À l'Obama on a prière personnelle. À l'Obama on jamais n'a haut-parleur. N'a haut-parleur, il n'y a pas de tout le monde. Il n'y a pas de foufou. Mais ma kamboa bien place, ma bon bimbo, ma bébé, ma bébé. D'accord. Le deuxième préalable, s'approcher. Dieu veut que les gens soient proches de lui, qu'ils sentent le battement de son cœur pour connaître son fardeau. Seuls ceux qui comprennent le fardeau de Dieu s'investiront dans la mission. Si tu ne comprends pas le fardeau de Dieu, tu ne pourras pas faire sa mission. Le troisième préalable, Jésus leur dit, avant de faire la mission, écoutez cette déclaration. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Pourquoi il dit ça? Tu ne peux pas faire la mission sans moyen. Et il est clair. Il parle du pouvoir terrestre. Et il parle du pouvoir céleste. Les dons ne suffisent pas. L'argent aussi. Mais ça va péter. L'argent aussi est un peu mis sur les aînés. Moi, je connais un homme de Dieu qui était bloqué. Mais de tous les hommes de Dieu, c'était le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un pouvoir terrestre. Quel est ce pouvoir terrestre? Ce sont les relations. Cet homme de Dieu là, il suivait Dieu, il suivait Jésus. Alors que Jésus avait dit, partout où je serai, je veux que vous y soyez. Et ce bishop là suivait Jésus. Arrivé à un lieu, Jésus entre. Lui, il est bloqué à la porte. Il dit, je suis l'homme de Dieu. On dit, on ne te connaît pas. Il présente sa carte. On dit, ce n'est pas homologué. Il parle en langue. On lui dit, on ne te connaît pas. Heureusement pour lui, un autre pasteur était entré. La Bible dit, parce qu'il se connaissait avec les serviteurs du souverain sacrificateur. C'est ainsi que Jean dira à ses serviteurs, faites entrer Pierre aussi. Pierre ne pouvait pas entrer parce qu'il n'avait pas de relation. Mais Pierre avait les clés spirituelles. Spirituel ne suffit pas. Jésus ne m'a pas envoyé avec le parlant langue seulement. Il y a le pouvoir spirituel et il y a le pouvoir terrestre. Tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, allez-y. Nous ne faisons pas.
pas la mission. Parce que nous ne comprenons pas l'utilité des moyens. Bien-aimé, comprendre l'utilité de quelque chose ne veut pas dire seulement l'avoir, même ceux qui l'ont peuvent ne pas connaître son utilité. J'ai vu une maman élevée mais qui ne comprenait pas l'importance de son élévation. Il fallait qu'on fasse un séminaire qu'on appelle le prophète Mardoché. Et c'est que le prophète Mardoché puisse enseigner à Esther. Pour dire à Esther, qui sait si ce n'est pour de temps pareil que toi tu es parvenu à la royauté. C'est que Esther était devenue reine, mais elle ne comprenait pas pourquoi tu l'as placée reine. Tu peux avoir l'argent et ne pas comprendre pourquoi tu es arrivé là. Dieu nous donne tout à cause de Christ. Rien de tout ce que Dieu nous donne ne nous le donne sans qu'il y ait coïncidence avec sa gloire et sa mission. C'est pourquoi j'ai critiqué beaucoup un ami. Je lui disais, nous c'est union en français. Pourquoi toi tu cherches toujours à connaître d'autres langues? Il me dit, ce sont les moyens. Un jour ces moyens m'aideront. Et un jour on a arrêté Pierre, Paul. On voulait les tuer. La Bible dit, lorsque les grands voulaient les condamner, la Bible dit, Paul parla en romain. Alors on lui a dit, on a du mal à te sauver parce que la foule réclame que tu sois lapidé. Paul a dit au magistrat, laissez-moi parler à la foule. Lorsqu'il se tient devant la foule, il dit, homme frère, la foule ayant entendu Paul en langue hébraïque, la Bible dit, la foule redoublait silence. Il a parlé l'hébreu, au magistrat il a parlé romain, et devant l'ambassade il a présenté qu'il était citoyen romain. Et à l'aéropage d'Athènes, il a parlé le grec. Sans moyen, on ne fera pas la mission. Les moyens, il y a tout ce qui est nécessaire sur la terre et tout ce qui est nécessaire dans les cieux. Ce sont des préalables. Et quand on est disciple, on a l'intimité. Ou bien on comprend le fardeau. On cherche le pouvoir. C'est alors que Dieu dit allez. Allez. Oh, pour aller, il faut se mettre debout. Combien d'églises sont-nous assises? Plusieurs églises sont assises. Parce que pour aller, je me lève, mais j'ai aussi une destination. Plusieurs parmi nous, nous n'allons plus. Parce que aller aussi veut dire quitter un point pour un autre. J'aimerais vous démontrer que plusieurs ont gagné des âmes sans aller. Je peux nous donner un exemple simple. Quand je suis ici à Kinshasa, je commence une œuvre, je passe à la télé, je fais la publicité et je viens chercher un berger à la manne cachée. J'ai fait fuir les musiciens d'une autre église. On commence à aller à Mangengenge prendre ceux qui prient pour leur dire venez chez nous. On n'a pas fait la mission parce qu'on ne fait que déplacer ceux qui priaient déjà. Aller veut dire traverser la frontière.
Et la frontière, elle peut être culturelle, elle peut être aussi géographique. Ce royaume honnête, nous sommes à Kinshasa. Combien d'églises ont à leur sein les Dingari? Les Libanais, les Chinois, cela montre qu'on n'arrive pas à traverser la frontière culturelle. On n'évangélise pas, mais on dit aux gens, venez, soyons ici. Dans l'esprit de Pierre, comme il y a la gloire ici, faisons trois temps de restons ici. C'est ce qui fait que quelqu'un a une église en Belgique avec 400 personnes, seulement 380 Congolais. Les 20 là, 15 Camerounais, amis des Congolais, 12 Ivoiriens et 7 8 Guinéens. Mais comment tu peux être dans un milieu étranger et ne pas gagner les étrangers? Voilà les défis de la mission. Oui, Jésus a quitté les cieux, il a gagné les hommes. Les Juifs ont quitté la Judée. Ils sont allés chez les nations. Ils ont gagné les païens. Comment nous ne gagnons pas les autres? Nous n'allons pas. Jésus avait dit, allez, visez une population cible. Cherchez à les conquérir. Cherchez à vouloir les arracher. Parce que missionner veut aussi dire moissonner. Et moissonner, c'est arracher quelque chose de son milieu de vie. Nous ne gagnons plus les païens. Cela veut dire, nous ne moissonnons pas. Nous ne les arrachons plus. Au point où même nous sommes en train de les entretenir dans leur paganisme, il suffit qu'ils viennent à l'église. L'église est devenue une activité de week-end au lieu de devenir une nouvelle vie. Nous ne missionnons pas. C'est une démission. C'est comme quelqu'un qui est riche, on lui dit, au lieu de tirer dans ma cala, de tirer dans Congo Fleuve Hotel dans toutes les conditions mobimentées. Maga prisonnier. C'est ça. L'évangélisation, c'est arracher quelqu'un de son milieu de vie, du péché, pour une autre vie en Christ. Ça, on a besoin pour plus que la moto, la moto, il y a des sous pour me mettre à 4 mois en Christ. Oui, missionner, c'est moissonner. Et moissonner, c'est rendre une semaille mature pour la récolte. Or, il faut arroser par la parole. Seule la parole peut nous amener à la maturité. Seul l'enseignement peut faire des disciples. Seul l'enseignement peut mûrir les gens. Et ce sont ces quatre prières-là qui ouvrent la voie à la mission. Mais mon message dit, une église qui ne missionne pas, elle a démissionné. Je me suis posé cette question. Est-ce que la démission, ce n'est plus servir Dieu? Ma réponse, non. Démissionner, c'est dans la manière de servir Dieu qu'on peut parler de la démission. En développant une attitude qui ne fait pas gagner l'évangile et le terrain. Et c'est comme ça que nous avons de problèmes. Je me suis dit, une église démissionnaire, c'est une église qui a ces attitudes que j'aimerais partager avec nous. Je l'ai appelé dans leur nom. Premièrement, c'est l'église sur la montagne.
C'est une église démissionnaire. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu dis? Deutéronome dit ceci. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez-vous. Allez prendre possession. L'église est dans un esprit de conquête. Mais aujourd'hui, nos églises sont des églises de montagne. Qu'est-ce qu'une église de montagne? C'est une église qui, par sa sainteté, qui, par sa spiritualité, exclut les autres. Celui qui ne veut pas se salir ne rendra pas les choses propres. Parce que celui salité salami, il faut aussi aujourd'hui, nous avons une catégorie des églises que j'ai appelées les églises montagnes. Bah, on va pas centre. Bah, critique à Baba, tout pas le Baba. C'est pas où il était, bah, tu as ma bébé. Mais là, si ma mousse à ma bébé, la banque, elle était à Baba. Bah, t'es à Baba, moi, t'es pas là, t'es là, moi, et puis ça, bah, tu me sous. Façon à Baba, bah, critique à Baba, tu me sous. Baba, bah, mais tiens, pémé, bah, ça, on dit, bah, ça, quand t'es là, bah, on t'a pas l'eau, la nacelle. Mon col hôpital, bah, 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 tu as malade, c'est l'hôpital, ça, a démissionné. L'église ne peut pas être une église de montagne. L'église doit être sur la plaine en cohabitant avec les autres pour les changer par l'évangile. Cette attitude-là n'encourage pas la mission. Quelque part entre parenthèses, ce qui m'oupe à gagner, ils apportent pas qu'un qui kuna na loja à l'obara qui t'était là. T'as vu que kuna na mongo belé à l'obara du sabata. Mais si on a yaka na latin, mais tu y a pas pu s'abonner. Il faut que l'église descende de la montagne pour commencer à conquérir. Il y a beaucoup de homosexuels, il y a beaucoup de pédés, mais il faut aller les prêcher. Les réformés qui iront en enfer, ce n'est pas ça la mission. Mais il faut aller vers ces gens-là. Deuxième attitude. Église synagogue. Ecclesia synagogue. Vous savez, une synagogue était un bâtiment interdit aux étrangers. Synagogue, c'est là qui est tombé. Les juifs y venaient pour la connaissance. Les révélations. C'est le domaine des rabbins. Mais Dieu n'a pas fait des synagogues, mais Dieu a pensé les temples. Et dans les temples, Dieu avait dit, les gens viendront de toutes les nations, car ma maison sera appelée une maison de prière. Qu'est-ce qu'une église synagogue? C'est une église qui vit en vase clos par rapport aux réalités environnementales. Laisse-moi te dire, l'église est un parti politique, et mais l'église n'est pas qu'on a mis sur le monde ça là. Pour cela, quand il dit, moi, pas gagné, mais tu es athée. Moi, pas ça, la rôle n'est pas moins dans la société, et athée. Une église synagogue, c'est là où on dit, Bamaste, Yamba Yezu, Yabloba, Sefo, Matalikolo, Yamba Yezu, Debili, Saramoto. Amen. Na l'église, il y a une mouton à Tomoa, Mimakas, Namokido, Maro, Yamba Yezu, Abi, dans Maison Blanche. Ma canisate, que Maison Blanche a une valeur pour les maternités. Pour maternité, Debili, c'est pas pour la Maison Blanche. Une église synagogue, c'est une église de docteurs, de connaisseurs, mais où il n'y a pas la vie, où les gens passent le temps à faire des discussions sur le millénium avec des gens qui n'ont même pas reçu Jésus. La mission de l'église, ce ne sont pas les discussions.
description philosophique et doctrinale. La mission de l'Église, c'est donner la vie, sauver les gens, les amener à vivre la volonté de Dieu. Nous avons aussi ce que j'ai appelé une église ghetto. Une église communautaire ghetto. Je peux accepter que cette église-là existe, mais pas en ville. Exemple. Comment on peut voir une église à Kinshasa? Nous avons l'église à Kinshasa. Pasteur. Pasteur. Mologo. Mologo. Vice. Moi. Mologo. Mologo. Diacre. Mologo. Mologo. Ancien. Mologo. 80% bandit. Mologo. À Kinshasa. Ma terre à Kilobo. C'est ça ghetto. Il y a mon ghetto. C'est ça ghetto. Il y a mon ghetto. Non, l'église a des portes ouvertes. La Bible lui a dit, tes portes ne seront fermées ni jour ni nuit pour laisser entrer les trésors des nations. L'argent c'est un trésor, mais pour l'homme, les trésors pour Dieu c'est l'âme. Les trésors pour Dieu, ce sont les âmes. L'église doit rester ouverte pour toutes les communautés. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Bruxelles, nous sommes dans les villes métropolitaines. Église ghetto, ce n'est pas une église qui missionne. Et il y a une église que j'ai appelée une église urbaine. Les églises, mon ami, l'église rubaine. Vous verrez ça dans Nombre 32. Pour moi, mon ami, Nombre 32. Tout Israël, Israël dans ses 12 tribus, était sorti de l'Égypte. A traversé le désert. Ils ont commencé la conquête. Mais la vraie conquête, où le vrai territoire devait commencer après le Jourdain. Mais avant le Jourdain, Israël avait déjà gagné ce territoire. Alors Ruben a dit ceci à Moïse. Moïse, ne nous fais pas traverser les Jourdains. Nous avons beaucoup de troupeaux. Laisse-nous même ici. À cause de nos troupeaux. C'est ce que j'ai appelé l'église rebelle. Qu'est-ce qu'une église rebelle? C'est une église où? Quand cette église répond à tous mes besoins comme pasteur, non, elle va se faire un bayanina, elle va pas te faire la main d'abord, elle va se faire un bayanina, elle va se faire un bayanina. Pour réussir déjà pour subvenir à mes besoins. Conquête des acquis par rapport à ma patte, conquête des acquis par rapport à Yashima Nzambe. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens pour qui Dieu pleure. Et ça, pour la bonté, bien les ambassadeurs. Vous savez pourquoi? Dans mon kilito, il y a une grande église à 10 000 personnes. Mais la taille spirituelle, ça va bousser dans une église à 30 personnes. Il y a 30 000. Et pas ça, il y a manqué à 20 000. Mais le roi, tu vas te dire, il calcule à Nzambe, tu vas te dire, il y a combien? Il y a 10 000. Dès que je suis en classe, je suis papa, aujourd'hui ça a été. Tu n'as pas en classe. Il y a première CEO. Tu n'es pourquoi? Parce que tu n'es un plus un de la vie. Répondre ma belle. Mais na âge a été. Le jeune fille a 16 ans, l'âme qui est aujourd'hui dans la même ici hydraté, dans la soumité. Na âge one. Ça veut dire que tu sais que ma campagne est à âge na bisouté. Non, on va dans l'église, 400 déjà ça va. Parce que tu te compares avec les autres au lieu de te comparer par rapport à la mission. Une église rubaine. C'est une église où quand ça répond aux besoins matériels, le pasteur n'a plus le niaque comme on dit. Il n'a plus ce souci-là de continuer. J'ai vu Jésus, après avoir travaillé à Capernaum, beaucoup de
Irak. Il se réveille le matin. Il dit aux disciples, allons-y ailleurs. On lui dit, on a encore ajouté de l'argent pour louer le podium afin que la campagne continue. Mais Jésus a dit, mission. Oui, mais il y a certains miracles comme on a dit ça. Quand tu refais une chose, comme expert l'amour. Mais ça, mais tant que c'est la haute de la route, ça va c'est la maman sous le mais on a dit un au col. Ruben a dit je ne traverserai pas le Jourdain. Parce que le troupeau a trouvé déjà le pâturage. L'église ne peut pas se contenter. On a fait une chaîne de télévision, on a fait des orphelinats. Non, quand on a fait la chaîne de télévision, on doit se dire combien d'âmes avons-nous sauvées au travers de Jésus. Quand on a construit les orphelinats, c'est bien. Mais combien d'orphelins sont réellement devenus disciples? Car tout ce que Dieu nous donne ne sont que les moyens pour atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'est fait de toutes les nations des disciples. Petit à petit, on rejoint la nation catholique. On va mettre à la pour aller à l'école, dans l'hôpital, dans la maternité. Mais Bissou va dire ça, je vais dans Tolo, dans Matthieu 28. Amen. C'est ça la mission. Et à la fin, c'est une église que j'ai appelée une église faible. J'ai beaucoup aimé parce que ce texte était déjà cité. C'est la multiplication de pain. La Bible dit, voyant la foule, les disciples dirent à Jésus, renvoie la foule parce qu'on n'a pas de quoi subvenir à leurs besoins. C'est dans Matthieu 14. Renvoie la foule. Parce qu'on est incapable à répondre à leurs besoins. Et Jésus dira, donnez-leur vous-même. Une église qui missionne, c'est une église qui répond aux besoins séculiers de la société. Na ya mission Jésus c'est bien, mais na maye loza na bozo na kbe classe. Amen. Pour soi na zongi sur classe, na mi peki si na gare ba voka na nzela na yo. Yes. La Bible dit, donnez-leur vous-même. Une église faible n'a que Jésus a donné. Église abondante, ça quand Jésus a coupé ça. Oh, il faut donner plus que Jésus. Pesa pour les gars. Oui, c'est la vérité. Il y a un verset dans la Bible qui est vrai. David a dit, ces fils de Théoja, ils sont plus forts que moi. Malgré que aujourd'hui j'ai reçu l'onction royale. Dans un royaume, qui est le numéro 1? C'est le roi. Qui est le roi? C'est celui qui a l'onction royale. Comment il peut avoir d'autres personnes plus puissantes que le roi? L'onction ne suffit pas. Il faut ajouter la sagesse. Il faut ajouter la puissance. Il faut ajouter l'intelligence. Il faut ajouter beaucoup de choses afin réellement d'être puissant. Si l'église est faible, la mission va tituber. La mission sera retardée parce que souvent Dieu fait ces deux choses. Soit il prend l'âme d'une personne, il place ça devant le besoin après. Pour d'autres personnes, il place les besoins avant, il met l'âme après. Une église faible ne gagnera que les premières personnes. Il y a un besoin de colopé mobile à Yambiabik. Mais ça, soit on a besoin de Yambana nous y sauter. Alors on a besoin, moi, d'un pour faire beaucoup de moi. Tant beaucoup de moi, d'un comme il a respecté pour Yambi, c'est Yesu. Amen.
Chef, ce qu'on a dit, David, on a quatre à Bible. On m'a dit avec l'état ma foule, ma mise, ma mise à Jésus. Ma couta ni lobby, Jésus a tourné le lobby, il y a un baïs à sa monie. À sa salle. Après, il m'a présenté Jésus. Et ça, n'a pas tout sous, pour tout ça, la mission, bien, il faut te répondre à ma personne, à ma quoi, le lobby. Yes. Une église faible ou qui ne sait pas utiliser les moyens, c'est une église démissionnaire. Et ce qui est malheureux, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à nous endormir. Mais Dieu a envoyé cette école pour nous réveiller. Car tu n'es pas le premier à t'endormir. Je connais une église, une grande communauté. Dans cette église, il y avait des hommes riches. Dans cette église, il y avait la puissance et les miracles. Dans cette église, ils avaient des ONG qui leur permettaient, même quand la famine vient, vous ne verrez pas la famille. On n'avait rien à reprocher à cette église. Mais un jour, cette église s'est endormie et ne missionnait plus. Qu'est-ce qui faisait que cette église avait démissionné? La Bible dit, on est allé dire au roi, deux femmes ont fait une ristourne pour faire le cannibalisme. Et la première femme, ils ont mangé l'enfant de la première femme. Le jour où on devait manger l'enfant de la seconde, maintenant ils ont pris le problème. Ils ont amené ça aux cours et tribunaux. Jusqu'au point où c'est arrivé à la Cour suprême. Le roi a entendu que dans son royaume, il y avait des femmes qui mangeaient leurs enfants. Au lieu que le roi puisse dire qu'on emprisonne la deuxième femme, au lieu que le roi donne des solutions, ma Bible me dit, le roi déchira ses vêtements et dit ceci, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je ne tue pas Élisée. Qu'est-ce que Lisa a fait? J'ai dit au roi, qu'est-ce que Lisa a fait? C'est toi le roi. Le roi dit, je tuerai. C'est dans 2 Rois 6. Je tuerai. Je demande au roi, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi me dit, et Lisa a démissionné. Parce que si on mange l'enfant, ce qui a la faim, or si à la faim, ce ne sont pas les agriculteurs, la solution viendra de l'homme de Dieu. C'est lui qui a l'onction. Et il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Il ne remplit pas sa mission. C'est qu'il a démissionné. Alors moi je le tuerai. Je suis en train d'annoncer plusieurs problèmes que l'Église vit. Ce ne sont pas les combats, c'est les moyens que le Seigneur utilise pour nous réveiller dans notre mission, pour nous réveiller dans notre travail, pour nous réveiller dans notre responsabilité. Le roi a dit, je tuerai Élisée. Et ma Bible me dit, pendant que le messager venait, Élisée était assis avec les anciens dans un festin. Voilà la démission. Une église démissionnaire privilégie les fêtes aux campagnes d'évangélisation. Un ministère démissionnaire aime plus la jouissance de la position que le travail sur le terrain. Et cette église-là, c'est une mauvaise femme. Elle habite quelque part ici à la 8e rue. Quand vous entrez dans les cantiques des cantiques,
Au chapitre 8, vous la verrez. La Bible dit, le mari est venu, il a frappé à la porte. Mais la femme a dit, je me suis déjà lavé. Comment je dois descendre pour t'ouvrir la porte? Une église qui ne veut pas entrer dans le travail. Une église qui ne veut plus aller au marché. L'église veut seulement les lieux VIP. Toutes les âmes ne fréquentent pas pour le mal. Toutes les âmes ne regardent pas la télé. Toutes les âmes ne vont pas au Congo Fleuve Hôtel. D'autres sont encore des chèques. D'autres sont à Malouéka. D'autres sont à Kisenso. Il faut que l'église aille là-bas. Parce que c'est ça notre mission. Si elle trouve de la saleté, elle a le savon du sang de Jésus. Si elle trouve la maladie, elle a le remède de Jésus. Si elle trouve la pauvreté, elle a la puissance de donner la richesse. Mais aujourd'hui, nos églises, ce sont des églises propres. On cherche les intellectuels déjà. Quand est-ce qu'on créera nos intellectuels? On cherche les PDG. Quand est-ce qu'on produira nos PDG? Je répète ceci. Un homme élevé par ton ministère te bénira jusqu'à sa mort. Mais celui qui est venu bénir partira un jour. Parce qu'il n'est pas redevable à toi. Élisée entrait avec les bishops. Il était là calme. Alors que dehors, d'autres personnes mouraient de faim. Et remarquez dans cette histoire, quand l'homme vient, avant même d'arriver, prophétie, ça va être talisana, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette même heure, il y aura de la nourriture, il y aura la parole, dans les radios, dans les marchés, dans les coins des avenues, dans les trains, dans les bus, il y aura l'évangile. Et quand il y aura l'évangile, la mission de l'église va avancer. Il y aura des disciples. Et le Seigneur dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'épreuve, en continuant par la colère. Que Dieu vous bénisse.